au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, le Christ nous rassemble dans l'église paroissiale de Saint-Pierre qui se dresse au cœur de la cité comme un signe vivant de la présence de Dieu au milieu de son peuple. En son nom et en communion avec tous mes frères évêques de la conférence des évêques catholiques d'Haïti, je vous salue tous et je vous présente mes voeux de santé et de paix pour l'année 2023. Je salue fraternellement Monseigneur le nonce apostolique, président de l'Assemblée, et Monseigneur Charles Peters Bartholus, évêque du diocèse de Port-de-Paix. Je remercie toutes les autorités de l'État, en particulier Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, qui ont tenu à être présents ici ce matin. Je les assure de ma prière fervente pour l'accomplissement de leur haute mission au service du peuple. Mes salutations et mes remerciements vont également aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux universitaires, aux élèves, à tous les fidèles dont la présence manifeste l'universalité du corps mystique du Christ. Sœurs et frères, tandis que le monde était sur le point de vivre le passage d'une année à une autre, nous avons été informés par les services de presse du Saint-Siège du passage du pape émérite Benoît XVI de ce monde au Père. En rejoignant ainsi son Seigneur dans l'éternelle félicité, le 31 décembre dernier, Benoît XVI ouvre le temps d'un événement inédit dans l'histoire de l'Église, celui où un pape régnant préside les cérémonies entourant le départ de son prédécesseur vers Dieu. Au moment de rendre grâce au Seigneur, d'avoir appelé à sa vigne cet homme pétri de théologie, mais humble et discret, nous voudrions dire merci d'abord à Benoît XVI lui-même. Nous lui disons merci pour le don de sa vie à l'Église qu'il a servi à plus d'un titre. Éminent professeur, il a fait de sa science une véritable diaconie de la vérité dans l'Église qui a su en tirer grand profit. Dieu a l'humilité de passer par nous pour répandre sa parole. Nous devenons sa voix après avoir tendu l'oreille vers sa bouche, écrivit-il, pour exprimer la claire vision de sa mission. Par sa participation en tant qu'expert au Concile Vatican II, il contribua à remodeler le visage de l'Église
qu'il sera appelé à diriger. Il se révéla un pasteur plein de zèle et de sollicitude en tant qu'archevêque de Munich jusqu'en 1982 et préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Le 19 avril 2005, le cardinal Joseph Ratzinger devint Benoît XVI. En accédant au siège de Rome, siège de Saint-Pierre, il accepta de diriger l'Église dans un contexte particulièrement difficile. Benoît XVI s'est confirmé comme exemple d'humilité et de liberté quand il renonça en février 2013 à la charge d'évêque de Rome et de souverain pontife et continua à servir de tout cœur la Sainte Église de Dieu par une vie de prière et de silence. Sa grande foi et son amour pour son Seigneur l'ont en outre guidé jusqu'au jour où il a prononcé ses derniers mots « Seigneur, je t'aime », à l'instar de Pierre lorsqu'il fut interrogé par Jésus au bord du lac de Tibériade. Nous disons merci à Benoît XVI pour l'attention qu'il a toujours montré envers notre pays et notre Église. Le 13 mars 2008, il reçut à Rome les évêques d'Haïti, alors en visite ad limina apostolorum. De son cœur de pasteur jaillirent ces paroles qui n'ont rien perdu de leur actualité. Je cite. Les choses ont-elles changé en Haïti? Votre pays a connu des heures douloureuses que l'Église suit avec attention. Division, injustice, misère, chômage, éléments qui sont source de profondes inquiétudes pour le peuple. Je demande au Seigneur, disait Benoît XVI, de mettre au cœur de tous les Haïtiens, notamment des personnes qui ont une responsabilité sociale, le courage de promouvoir le changement et la réconciliation. Il ajouta, je ne peux oublier les personnes qui sont obligées d'aller dans le pays voisin pour subvenir à leurs besoins. Je souhaite que la communauté internationale poursuive et intensifie son soutien au peuple haïtien pour lui permettre de prendre toujours davantage en main son avenir et son développement. Propos de Benoît XVI aux évêques d'Haïti le 13 mars 2008. En me serrant la main à Castel Gandolfo en septembre 2012, un mois après mon ordination épiscopale, Benoît XVI me dit d'une voix affectueuse. Je sais que la situation est difficile dans ton pays. Je prie pour toi et pour le peuple que tu vas servir. De son lieu de repos, qu'il prie pour notre pays, qu'il ne cesse de boire la coupe de la division, de la violence et de l'impunité. Sœurs et frères bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour ce grand serviteur. Confions-lui la paix de son âme. Rendons hommage au géant de la foi et de la raison que fut le pape Benoît XVI. Qu'enfin parvenu à la lumière infinie du ciel, il porte dans sa prière incessante
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de notre monde et de l'Église secouée par des vents très forts, mais profondément racinée dans la foi, l'espérance et l'amour. Bonne célébration. Preparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu fidèle qui rétribue chacun selon ses œuvres. Tu avais choisi le pape Benoît XVI pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être le pasteur de ton Église. Puisqu'il fut ici-bas un bon serviteur des mystères de ta miséricorde, donne-lui d'en goûter maintenant les fruits dans la joie de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vive et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, les versets 14 à 21.
Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du
prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Ses bonheurs m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il est l'agneau et le pasteur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : Ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où vient ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien. Eux qui avaient puisé l'eau, alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir un moment. Chers frères et sœurs, Deus caritas est, Dieu est amour. C'est par ces mots de la première lecture, de la première lettre encyclique du pape émérite Benoît XVI, tiré de la première lettre de Saint Jean, que j'aimerais axer cette homélie. Une homélie dans laquelle nous rendons hommage à un fidèle de Christ que le Seigneur avait appelé au sacerdoce ministériel jusqu'à être élu de 165e successeur de Pierre, don évêque de Rome. Par ce fait, il devenait pontifice romain, chef du collège des évêques, vicaire de Christ et pasteur de l'Église universelle. Dans sa langue habituelle, il devenait le pape Benoît XVI. Dieu est amour. Il a manifesté son amour en choisissant le jeune Joseph Ratzinger pour entrer au séminaire. Au séminaire, il se baignait dans les études philosophiques et théologiques, en lisant des grands auteurs de la foi et de la raison qui, demain, devraient l'aider à mieux apprendre le depositum fidei, le dépôt de la foi reçu des apôtres, en l'expliquant avec éloquence, perspicacité et conviction à ceux qui le lisaient ou qui l'écoutaient.
Dieu est amour. Il a manifesté son amour le 29 juin 1951, jour où Joseph Ratzinger reçut l'ordination presbytérale avec son frère George, de même du cardinal Michael von Vollhardt, dans la cathédrale de Frisie. Or, le 29 juin, l'Église célèbre la fête des saints apôtres Pierre et Paul. N'est-ce pas une date symbolique qui se révélait comme un signe d'amour auquel Dieu appelait le jeune prêtre Ratzinger à exercer plus tard son ministère avec la colonne de l'Église Pierre et Paul dans la plus haute charge ecclésiale? Frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, Saint Jean écrit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Cette intelligence, nous l'avons remarquée, constatée et touchée dans la personne du pape Ratzinger. Déjà, comme jeune prêtre, il défendit une brillante thèse doctorale en théologie sur Saint Augustin et sur Saint Bonaventure. Très intelligent et brillant théologien, il participa au Concile œcuménique Vatican II comme expert, consulteur théologique, accompagnant le cardinal archevêque de Cologne, Joseph Fring. Ce qui le fit remarquer dans la confrontation des idées théologiques axées sur la dynamique de l'Ecclésia sempre reformanda, l'Église en perpétuelle réforme, avec les autres théologiens de renom. Avec ce don de l'intelligence, fruit du Saint-Esprit, il participe en 1972 à la fondation de la revue théologique Communio, créée par plusieurs théologiens comme Urs von Balthasar, Henri de Lubac et Jean Danielou. Avec cette revue, il défendait, avec intelligence profonde et sagacité intellectuelle impeccable, les idées du Concile Vatican II, pour que nous connaissions celui qui est vrai. Il écrivait de nombreux livres, articles et contributions théologiques dans presque tous les domaines de la foi et de la raison, afin de mieux faire rayonner les messages de la bonne nouvelle et de lire les événements du monde à la lumière de l'Évangile. Dieu est amour. C'est pourquoi il appela le prêtre théologien Joseph Ratzinger à l'épiscopat. Il prit comme devise épiscopale Cooperatores Veritatis, ce que se traduit coopérateur de la vérité. De lors, son désir ardent de rendre raison de l'espérance qui est en nous sacré. Par la consacration épiscopale, il devint pasteur dans l'Église, maître de doctrine, prêtre de culte sacré et autorité de l'Église. En outre, avec la fonction de sanctification renforcée par l'épiscopat, il assuma avec une noblesse exceptionnelle la charge de grand prêtre, principal dispensateur des mystères de Dieu, modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique. Coopérateur de la vérité. Il l'a été vraiment en acceptant la charge du préfet de dicaster pour la doctrine de la foi que le Saint-Pape Jean-Paul II lui proposa. C'est là qu'il déploya longuement, profondément et sérieusement
ses qualités de théologien de renom. Pendant près de 25 ans, il accompagna le pontife polonais à combattre les hérésies des temps modernes. Son travail consistait à promouvoir et à protéger la doctrine chrétienne conforme à la foi dans tout le monde catholique, tout en suivant le courant théologique et à fustiger les spéculations des temps modernes déguisées en antivaleurs comme la sécularisation et le relativisme. Dieu est amour. Si bien qu'il appela le cardinal Joseph Ratzinger à la chaire de Saint-Pierre en acceptant l'élection du collège cardinaliste. En prenant le nom de Benoît XVI, il se présenta à l'Église dans le monde comme simple et humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Il devint par conséquent le 265e pape de l'Église catholique. C'est avec cette délicate charge ecclésiale qu'il a pris un peu plus encore à obéir à cette consigne de la Vierge Marie à l'endroit des serviteurs de son Fils dans l'Évangile que nous venons de proclamer. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Évidemment, de ses premiers pas dans le monde théologique, le pape Benoît s'était rendu à l'évidence que la théologie consistait à écouter le Verbe de Dieu. Son écoute se fait dans la prière, la méditation et la lecture assidue, le tout dans un dialogue entre la foi et la raison, considéré comme les deux ailes capables d'élever l'esprit humain vers la contemplation de la vérité. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Le pape Benoît XVI, l'ayant compris, décida de renoncer à la charge pétrienne et s'établit avec grande humilité, détachement, dépouillement et liberté intérieure qu'il choisit de se retirer dans le monastère Mater Ecclesiae où il a passé le reste de sa vie jusqu'à son rappel à Dieu le 31 décembre de 1022. Fin de l'année, mais aussi fin de sa vie sur terre, à la veille de la solennité de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, qui l'accompagna durant tout son pontificat en lui rappelant, comme à Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Le pontificat de pape émérite Benoît XVI, sa vie et sa bibliographie sont d'une richesse incommensurable. Tout ce que nous avons dit précédemment est comme une goutte dans l'océan ecclésial de ce grand homme de l'Église. Il continue à nous parler, à nous enseigner et à nous venir comme il l'a écrit dans son testament spirituel. Tenez bon dans la foi. Ne vous laissez pas troubler. Oui, tenons bon dans la foi reçue des apôtres. Et avant de mourir, il a dit, Jésus, je t'aime. Cela est sa réponse ultime à l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu, enfin, à cet juste titre que certains penseurs affirment que le pape Jean-Paul II est le pape de l'espérance, le pape Benoît XVI est le pape de la foi, et le pape François est le pape de la charité.
Les trois vertus théologales sont résumées par le pontificat de ces trois derniers papes, chacun avec son apostolat et son charisme, jouer sa partition dans le concert de l'Église qui s'autoréalise comme sacrement du salut pour toute la création. Lors de la messe de funérailles de pape émérite Benoît XVI, jeudi dernier à la place Saint-Pierre de Rome, le pape François a rappelé l'image d'un homme gentil, fidèle à sa parole et surtout d'un homme de Dieu. De même, selon lui, le pape émérite Benoît XVI s'est dédié à une confiance totale à Dieu dans la prière et l'adoration. Il a toujours aimé le peuple de Dieu, jusqu'à parfois en souffrir. Il n'a cessé de rechercher et de prêcher la beauté de l'Évangile. Confiant davantage son âme à la miséricorde divine par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Très saint Père, Pape émérite Benoît XVI, entre dans la joie de ton Maître Jésus-Christ qui t'y a tant servi et continue à soutenir l'Église désormais comme intercesseur auprès de Dieu. Amen. Prions avec confiance, Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité de mort son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous te prions pour le repos de l'âme de notre bien-aimé pape émérite Benoît XVI. Père, dans ta miséricorde, accueille-le dans ton royaume afin qu'il puisse te contempler éternellement dans la compagnie de tous les saints. Nous te prions. La prière où, grand maître, pour toute responsable l'Église là, à tout monde, l'en mort,
pape émérite Benoît XVI touché, et en façon spéciale pour pape François, cap continué mission ou confiel comme premier responsable l'Église là. T'en prie souplé, grand maître, comblé-le à toute l'autre responsable l'Église oua, à la grâce pour yo carité fidèle n'en fait volonté ou, en temps y a aidé tout chrétien, prend chemin la vie qui pape Jean finit en nous la prière. Prions, Seigneur, pour tous les savants, les médecins, les infirmières et tous les autres membres du personnel de santé qui consacrent leur vie au service de l'humanité souffrante. Dans ton amour, Seigneur, répands sur eux ton esprit de lumière afin qu'ils trouvent les meilleures méthodes pour soigner et guérir, soulager les malades. Nous te prions. La prière au grand maître pour tout le monde qui est malade, qui sans travail. Si la yo qui est obligé d'abandonner Kayo en bas de sécurité grave qui sous pays. Tout le monde qui en bas mais kidnappé. Tout le monde assassin aptouillé pour grand messie. À tout le monde qui perdit l'espoir net. Tant prie, grand maître, renforcez courage nous. Refais l'espérance nous. Ben nous force par là pour nous continuer à chercher chemin libération. Pour bon vrai, nous la prière. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens du monde entier, particulièrement tous les membres de notre communauté. Puisses-tu nous aider à comprendre la nécessité de nous engager véritablement pour l'avènement d'un monde meilleur, un monde qui soit l'annonce de ton royaume de justice, de paix, de respect des droits de l'autre et de l'amour. Nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Exauce la prière de ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, fais que ces sacrifices de réconciliation offerts pour ton serviteur, le pape Benoît XVI, contribuent à sa récompense bienheureuse et attirer sur nous ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qui a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils sont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Max Leroy, Monseigneur Francisco, qui préside cette Eucharistie, moi-même, ton indigne serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi du pape Benoît XVI, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Amen, Seigneur. Renouvelé par ces sacrements qui nous met en communion avec toi, nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur, notre pape Benoît XVI, puisque tu l'as choisi pour être ici-bas la pierre où se fonde l'unité de ton Église, à qui il est dans la communauté de tes cellules. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. À présent, frères et sœurs, nous allons écouter Monsieur le Premier ministre dans un propos des circonstances. Son Excellence, Monsieur le Nonce apostolique, Messieurs les membres de la conférence épiscopale des évêques d'Haïti, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté ecclésiale, chers fidèles catholiques, Mesdames, Messieurs. La triste nouvelle du décès de Sa Sainteté, le pape émérite Benoît XVI, le 31 décembre 2022, m'avait profondément ému. Il fut une personnalité charismatique, un éminent théologien et un grand défenseur de l'Église et de la paix dans le monde. Je compatis à la douleur de millions de fidèles chrétiens catholiques affligé par cette perte énorme. Je joins ainsi ma voix à celle du peuple haïtien pour présenter mes sympathies au pape François, au collège des cardinaux, aux évêques de Rome et à toute la communauté religieuse catholique d'ici et d'ailleurs. Nous nous souviendrons avec émotion de sa personne si noble et pleine de compassion. Benoît XVI fut un grand homme de l'histoire, un intellectuel de réputation mondiale, un grand défenseur des valeurs morales, un géant de la foi et de la raison, pour reprendre les propos de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, un modèle d'humilité. Le peuple haïtien se joint à ma voix et à celle du gouvernement pour exprimer sa profonde tristesse à l'occasion de ce départ qui affecte la communauté chrétienne. On se souviendra longtemps des manifestations de solidarité, de fraternité et d'entraide dont il a fait montre. Le pape Benoît XVI fut un homme de grand cœur, une figure aimable et hautement appréciée, un professeur de grand renom. Et on comprend pourquoi presque tous les dirigeants du monde saluent sa mémoire avec autant de vénération. Il a effectué au sein de l'Église catholique un parcours de foi et de prière. Et plus d'un voyait en lui un modèle autour duquel circulaient des idées pleines de conviction. Sa disparition est une grande perte pour l'Église catholique et pour tous les chrétiens du monde entier. Je réitère à Sa Sainteté le pape François, à vous, Son Excellence, Monsieur le Nonce apostolique, à toute la communauté ecclésiale de Rome, à la conférence épiscopale des évêques d'Haïti,
aux fidèles catholiques du monde entier, en particulier ceux de notre pays, mes profondes sympathies. Que son âme repose en paix. Chers frères et sœurs dans le Christ, le pape Benoît XVI s'est toujours présenté comme un simple ou humble travailleur dans la vigne du Seigneur. À la suite de son élection au siège de Saint-Pierre, le 19 avril 2005, l'Église rend grâce pour les 7 années de son pontificat et pour le témoignage de sa vie. Au terme de cette célébration eucharistique, je voudrais exprimer mes plus vives et sincères remerciements à Son Excellence Monseigneur Mas Leroy Messidor, archevêque de Port-au-Prince, ainsi qu'à ses collaborateurs au sein du diocèse qui a permis la tenue de cette messe de Requiem. J'adresse aussi ma profonde gratitude à la Conférence épiscopale d'Haïti et à chacun des évêques et des diocèses du pays. Ma pensée et mes mots de remerciement vont également au Premier ministre, aux membres du gouvernement, aux membres du corps diplomatique ici présents ou absents pour plusieurs raisons. Merci de votre présence et de votre proximité à l'égard de l'Église. Bon nombre de vous ont envoyé des messages de condoléances à la nonciature apostolique. Nous les avons reçus comme signe de bienveillance et de solidarité. Je voudrais remercier aussi le Père Chancy, curé de la paroisse Saint-Pierre, aussi bien que les membres de la chorale et tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette célébration liturgique. De même, je ne vous oublie pas, chers prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs, ici présents, et ceux qui n'ont pas manqué d'adresser à l'annonciature apostolique des messages de condoléances ces derniers jours. Merci. Je réitère ma reconnaissance au peuple de Dieu en Haïti, qui certainement et cordialement s'unit à l'Église universelle en ce moment de retour du pape émérite Benoît XVI à la maison du Père. Benoît, fidèle ami du Christ, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix définitivement et pour toujours. Par ces mots d'espérance, le pape François a clôturé son homilie lors de la messe de funérailles du pape Benoît XVI. C'est jeudi 5 novembre 2023. Par ces mots aussi, nous finissons cette Eucharistie de Requiem pour le pape Benoît XVI. Merci en paix. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité de mort, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leur faute, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts
puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.